Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver en ce mercredi 10 juin 2020, 21h26, avec une nouvelle introduction. Vraiment fier de cette nouvelle introduction qui m'a été euh, conçue et euh, élaborée par un ami personnel que je tiens à remercier euh, personnellement. Il va se reconnaître. Et euh, vraiment, c'est un gars de talent, un gars dévoué, c'est un gars qui a un grand cœur. On s'est connu via euh, ma chaîne, via euh, mes plateformes. On est entré en contact avec moi comme ça, puis il m'a toujours, toujours secondé. Vraiment, euh, un grand merci. Je suis vraiment fier de cette nouvelle intro, elle est vraiment, vraiment, euh, vraiment mignonne. J'espère que vous allez l'apprécier. Pendant ce temps-là, on est dans une vraiment une période de notre vie, de notre histoire commune des plus euh, extraordinaires. Mais pas dans le sens que c'est fantastique, mais dans le sens que ça sort de l'ordinaire. Puis on en avait parlé, c'est beaucoup, depuis hein, déjà des années. Je vous ai dit, préparez-vous, les changements qui s'en viennent vont être, pouf, incroyables. Sans savoir vraiment les détails de tout ça, je savais, puis comme vous, vous le savez, parce qu'on a un sixième sens tous, que quelque chose était pour se produire, que des changements étaient pour arriver parce que ça ne pouvait plus continuer comme ça. On a les changements climatiques qui sont cycliques, les changements sociaux sont cycliques, les changements politiques sont cycliques, financiers. Et tout est aligné pour que ça se produise en même temps et c'est ce qui donne un grand coup. Et 2020, je vous avais dit en 2019, préparez-vous, 2020, ça va être quelque chose de majeur. Comme je vous avais dit, préparez-vous, le mois de juin, ça va être quelque chose d'extraordinaire. On a vu tout ce qui s'est passé dans ce mois de juin. -là. Ce mois de juin, euh, là, qu'on vient de vivre, c'est hallucinant. Là, on s'en retourne vers un semblant de de normalité mais on est loin de la normalité on voit l'économie qui s'est effondrée totalement en chute libre partout avec le confinement mondial. Déjà on avait des signes de ralentissement économique et d'une crise économique à venir. Déjà on avait les signes de tout ça avant la pandémie, j'en ai parlé à l'occasion. je vous avais dit préparez-vous aux grands changements financiers, économiques aussi. Il va falloir s'adapter, tout va être numérisé. Et là, on se rend compte qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de gens, de commerçants, de businessmen, de businesswomen qui vont dire c'est sais-tu quoi, j'ai plus besoin de pignon sur rue, je vais rester sur le net pour faire mes affaires ». Donc, ça va créer une onde de choc, ça aussi. La robotisation, on peut pas l'arrêter, je vous en ai parlé de ça. La numérisation, la biométrie… L'éclatement des familles, l'éclatement de la famille, l'éclatement des valeurs aussi hein, est en train de se faire sentir depuis des années. On a vécu ces éclatements-là. Les, les gros gouvernements, vous voyez ce que ça donne. Hein? La tyrannie partout. Les populations vont recommencer à sortir dans les rues pour décrier la, 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 la corruption, décrier les injustices. Mais tant qu'on ne changera pas nous-mêmes, on ne pourra pas changer le système. C'est pour ça que c'est l'éternel roue qui tourne et tourne et tourne. Et qu'il n'y a rien qui change. Parce que nous, on ne change pas. On se donne l'illusion qu'il va y avoir un changement en changeant de politicien, de gouvernement, de système, entre guillemets. Mais nous, tant qu'on ne change pas, ce n'est qu'une illusion de changement qui se produit. Et on est toujours insatisfait parce qu'on n'a pas changé. C'est individuellement qu'on ch qu doit changer. Si on veut améliorer le monde, il faut qu'on se change nous-mêmes. Si on veut transformer le monde, il faut qu'on se transforme nous-mêmes. Si on veut un monde meilleur, il faut qu'on soit meilleur nous-mêmes. Si on veut un monde plus juste, il faut qu'on soit plus juste nous-mêmes. Si on veut un monde plus équitable, il faut qu'on soit plus équitable nous-mêmes envers les autres, envers nos semblables. c'est pas ça qu'on voit. La plupart des gens qui sortent dans les rues pour manifester, hein, souvent, ne veulent pas que les gens rentrent dans leur pays. Sous peur d'être dominés, sous peur d'être envahis, sous peur de perdre leur emploi. Donc, si tu penses que tu peux bâtir un monde meilleur en stigmatisant les gens, tu te trompes. Puis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est comme ça. Si on veut un monde meilleur, il faut que nous-mêmes, on soit meilleurs. Et c'est ça ce à quoi on doit s'atteler comme tâche. Laisser faire les autres, laisser faire le système pour l'instant, puis s'occuper de nous-mêmes. Pis si on s'occupe de nous-mêmes, on va s'occuper de nos proches, de notre famille, de nos enfants. On va leur donner les bonnes valeurs. Et ça va se répandre. Puis, ça peut aller vite si tout le monde se met à la tâche. Ce qu'il faut faire, c'est. Et c'est très, très important. Moi, j'ai vécu une transformation ces derniers mois. Ben, je pourrais même dire ces dernières années, presque deux ans, surtout quand j'ai arrêté de boire. Ça, c'était un handicap incroyable. La drogue, je l'avais déjà arrêté beaucoup plus jeune. Ça, c'était un autre handicap. Parce qu'on a affaire à beaucoup d'handicaps, nous les contemporains. La drogue, c'est vraiment quelque chose qui ne devrait même pas exister. C'est quelque chose que tu n'as pas besoin de côtoyer, puis que tu n'as surtout pas besoin d'essayer dans la vie. Tout ce qui vient altérer ton esprit, ton état normal, tu dois fuir ça. L'alcool, c'est le même, même, même effet sur l'esprit, sur ta personnalité, ça vient te transformer. Tu n'as pas besoin de ça. On t'a programmé à boire de l'alcool, mais c'est la dernière chose dont tu as vraiment besoin dans la vie, l'alcool. Même un verre, c'est un verre de trop. Puis moi, je vous parle en connaissance de cause. Je buvais deux bouteilles de vin depuis 30 ans. Pendant trois décennies, j'ai bu à tous les jours au moins deux bouteilles de vin. Je continuais à fonctionner. Je me donnais l'illusion que je n'étais pas alcoolique. Mais ça change ta personnalité, ça vient transformer ton être et tu deviens complètement invivable pour toi et pour les autres. Donc, tout ça, ça a fait partie de ma transformation. Donc, je suis assez fier, mais j'ai eu l'aide parce que je l'ai demandé. Tu ne fais pas ça tout seul, l'aide du cosmos. Et si tu alignes ton cœur avec ton esprit et ta tête et que tu gardes le focus des trois alignés, tu peux accomplir des grandes choses et tout le monde peut accomplir des choses extraordinaires. Mais il faut que tu gardes vraiment le contrôle de ça. Que ton corps soit aligné avec ton esprit et ta tête. Parce que souvent, et c'est mon problème, et c'est le problème de la majorité des gens, on s'en va dans toutes les directions, on est distrait, on se laisse distraire, on oublie de vraiment reprendre le contrôle du cœur, de l'esprit et de la tête. Ceux qui vont loin, ceux qui réussissent, les plus grands, les plus grands, sont ces gens-là qui ont le contrôle et le focus de ces trois éléments-là, vraiment alignés et toujours en contrôle. Ils ne se permettent pas un écart, ils ne se permettent pas une pause ou une distraction. C'est toujours, toujours. Et si ça arrive légèrement, ils reviennent tout de suite. Et c'est ça que vous devez travailler. Et si vous faites ça, vous allez accomplir des grandes choses. Si tu as une idée dans le cœur, envoie-la pas dans la tête. Laisse-la dans le cœur. Parce que si tu envoies ça dans la tête, tu vas remettre toujours, toujours, et toujours, et toujours, et toujours à demain, à demain, à demain, à demain. Puis il n'y a rien qui va se faire parce que ta tête va essayer de rationaliser quelque chose qui venait du cœur. Et c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Et les plus grandes le disent. Si tu as quelque chose dans le cœur, laisse-le dans le cœur. Fonce, même si tu n'es pas prêt, vas-y. Parce que si tu attends d'être prêt, il n'y a jamais rien qui va se faire non plus. Le secret, c'est de commencer quelque chose. Si tu attends d'être vraiment prêt, parfait pour commencer quelque chose, tu ne feras jamais rien. C'est de toujours remettre et remettre parce que tu as toujours un prétexte pour jamais rien faire. On a toutes les meilleures excuses du monde préparées dans un petit sac. Puis on en sort une quand on en a besoin d'une. La chose la plus facile à créer, c'est les excuses pour ne pas faire quelque chose. Donc, dès que tu as une idée qui naît dans ton cœur, parce que c'est comme ça que les idées naissent, dans le cœur et non pas dans la tête. Les idées meurent dans la tête, mais les idées naissent dans le cœur. Et si tu les envoies dans la tête, il y a des grandes chances qu'elles meurent. Dans la tête, les cimetières sont pleins de millions et de millions et de millions et de milliards d'individus qui sont morts avec leurs rêves dans la tête, avec leur désir dans la tête parce qu'ils l'ont eu dans le cœur, mais ils l'ont envoyé dans la tête et on a rationalisé toute notre vie. On a remis cela au calendrier grec toute notre vie parce qu'on se trouvait toujours des excuses dans notre petit sac d'excuses. C'est ça. Et là, comme on fait face aux plus grands défis qui n'ont jamais, jamais été vécus avant nous, c'est nous qui avons... La, le privilège ou la malchance, c'est comment tu vas le déterminer qui va faire que tu vas t'en sortir. Si tu penses que c'est un privilège, c'est sûr que tu vas avoir plus de, plus de facilité à affronter tous ces défis-là, puis à t'adapter, puis à réussir, à prospérer. Si tu vois ça comme la pire des choses, c'est sûr que tu commences déjà comme perdant. Déjà comme perdant. Donc, attends pas d'être parfait pour, être, pour commencer quelque chose. Si tu veux accomplir quelque chose, tu dois commencer. Commence. Tu as une idée, commence. Tu as un rêve, mets-le en pratique, mets-le en action, réalise-le. Attends pas. Et attends surtout pas les autres, parce que les autres, ils vont tous être là pour te décourager de tes rêves, de te, de te décourager de tes désirs. Il n'y en a que quelques-uns des vrais qui vont t'encourager, mais tu es chanceux si tu en as un. La plupart de ton entourage y compris ta famille, vont te décourager de tes rêves et de tes, de tes désirs. Si ça ne rentre pas dans leur modèle à eux, ils te traiteront de tous les noms. Si tous ceux qui nous ont donné les belles sculptures, les belles œuvres d'art, les belles euh, créations musicales, architecturales, les plus grands accomplissements humanitaires, si ces gens-là avaient décidé de rien faire, puis d'envoyer ça dans leur tête, puis de remettre ça à demain, par demain on n'aurait jamais eu la chance de, 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 de profiter de tout ça. C'est parce que ces gens-là sont passés à l'action. Probablement en allant au-delà des conseils de leur, entre... de leur entourage qui leur disaient que c'était de la folie sûrement, et que c'était irréalisable, que c'était du rêve, et que tu fallait que tu reviennes à la réalité. Donc, attends pas. Ça, c'est le plus grand, plus grand, plus grand conseil que je puisse te donner. Il y a quelque chose qui naît dans ton cœur, une idée, une envie, un rêve. Vas-y, fonce, puis ça va se réaliser, puis tu vas t'adapter en cours de chemin. Déploie tes ailes, puis tu apprendras à voler quand tu seras rendu à la falaise. Mais déploie tes ailes. Ça, c'est ce que je vais vous raconter ce soir, parce que c'est trop important avec ce qui nous attend, les défis qui nous attendent, que vous soyez... Concentrez, focus sur vous-même. Parce qu'il n'y a personne qui va vous aider. Puis ça va être dur, mais il y a toujours moyen de prospérer. Puis il y aura toujours des grands, des petits. Des grands, des petits. Peu importe les époques. C'est pas parce que tu es dans une période difficile qu'il n'y aura plus de grands. Puis il n'y aura plus de gens qui réalisent leurs rêves puis leurs ambitions. Non. C'est à toi de choisir, mon chum. Et ma. Et ma chère amie. Je vous retrouve avec... Euh... Le monde qui est au bord de la pire, pire crise alimentaire. Comprends-tu les défis qui nous attendent? C'est un de ceux-là, entre autres. Puis, je ne sais pas si tu as remarqué le, le, les prix de tous les aliments. Là, en ce moment, depuis trois mois, commence à augmenter. On est en pleine inflation. Je vois rien.